Merci de suivre ce journal édition 62. Bienvenue à tous et à toutes. Le ministère de l'Économie et des Finances a fait le point ce jeudi sur les mesures fiscales du budget pour l'exercice 2015-2016 évalué à 122,6 milliards de gourdes. Ce décret de finances est orienté vers trois grandes ambitions, dont l'autonomie financière du pays. Le grand argentier de la République, Wilson Lalo, refuse de solliciter les contribuables haïtiens déjà lourdement taxés. Pour l'exercice fiscal en cours, Wilson Lalo au micro de Jean-Alain Macajou. Un pile effort qui fait année ça par administration pour nous présenter by nation un budget qui était gagné sous les trois grosses ambitions. Première ambition là c'est déjà réduire dépendance pays de aide de toute façon les dictées par les circonstances parce que nous connaît que grand pile ressources que pays a été recevoir surtout après tremblement de terre qui au même jodi a vinn a disparaître qui vinn exister de moins en moins. Deuxièmement, on connaît Petro-Caribé avec sa capacité sous marché de produits pétroliers, n'y pas et bail même niveau de recettes, de revenus donc pour financer le budget d'État, j'en ai qu'on fait avant. Et puis bon, troisièmement, nous connaît que gagner des vrais problèmes au niveau de transactions qu'a fait avec l'international et qui fait que nous perdons un pile comme au niveau de la frontière. Et bagay sa yo te amené nous après toute mesure que nous t'en parler de eux. Et yon la d'ailleurs, c'est justement mettre des meilleures conditions pour que l'État leve taxes qui poulit. Il y a des gens qui parlent que nous augmenter taxes. Nous avons dit rapidement, le document budget a publié, Yoka Weli, il n'y a pas de taxes qui montent. Je dis qu'il y a trois instruments que nous utilisons là, et il faut rappeler le Pomonio, et c'est au bénéfice de la collectivité. Ça veut dire que c'est une façon pour faire tout le monde payer ça pour payer sans ne pas forcément faire Mounio mal. Une là dedans c'est par exemple impôt sur les propriétés bâties, ça n'est le CFPB. En plus, le monde connaît, dans pile corruption, pile fraude, dans un gens comme ça, les rentrer. Et ce n'est pas un corps qui vient pour trésor public, c'est un corps qui vient pour les mairies. Et si nous besoin, en plus, on a parlé de décentralisation, nous besoin que nous ayons des vraies autorités locales qui remplissent les missions que la Constitution reconnaît et que nous remplissons dans tout l'autre pays, eh bien, nous connaissons qu'il y a un cap qui est revenu qui rentre là-dedans. Eh bien, nous, garder taxes qui, sa loi 79 a été dit, eh bien, nous voyons que taxes, taux étaient trop élevés et c'est ça que nous encourager fraude et qui fait souvent des négociations entre contribuables et représentants des GI ou bien mairies. Pour régler ça, nous faisons un pile de travail au niveau du ministère de l'économie et des finances et nous réduisons tout ça. Il faut dire que tout que nous avons payé pour toute valeur locative, c'est-à-dire qu'on a loué 21 000 euros de l'année, on a 15% pour payer des pots par l'État. Et bien là, nous réduisons tout ça. Et c'est pratiquement un dixième de pourcent à deux dixièmes de pourcent que nous mettons. Alors que des voix s'élèvent pour dénoncer la surtaxation des contribuables pour l'exercice fiscal en cours, le ministre des Finances ne l'entend pas de cette oreille. Aucun impôt ni taxe n'a été révisé à la hausse, soutient le ministre Wilson Lalo. Néanmoins, le numéro 1 du MEF admet que le frais de timbre de passeport a pratiquement doublé d'octobre 2014 à octobre 2015. Il est passé de 1 500 à 3 000 gourdes en l'espace de deux exercices fiscaux. L'économiste Wilson Lalo évoque l'appréciation du billet vert comme facteur à la base de l'augmentation du coût du livret de passeport. Il ne faut pas oublier que le passeport, c'est d'abord un document d'identité, mais c'est surtout un document qui doit sécuriser. Pas un pile pays qui fabrique passeport sur la terre. Pas un pile coteau qui a acheté passeport. Ça n'existe pas. C'est un petit livret au fait n'importe qui côté, vous voulez. Parce que le grand ensemble de clés en dedans passeport pour assurer que le passeport est sécurisé, eh bien, il y a quelques pays qui certifient qu'il y a qualité pour préparer et pour y a des standards pour respecter. Il y a quelques pays qui font. Même ça, dire que aucun doit vérifier, ça veut dire, même à côté, regardez comment ils vendent nos passeports. Ça veut dire, en Haïti, même avec toute la plupart des pays sous la terre, eh bien, ils ont acheté passeport, peut-être en Allemagne, aux États-Unis, en France, par un pile pays, bon, une demi-douzaine de pays qui fait passeport. Mais l'on a acheté passeport là, eh bien, c'est pas cadeau, il faut cadeau, ils sont bien liés, il faut payer. Le prix de passeport n'a pas changé depuis 4 ans, ou même beaucoup plus d'ailleurs. Maintenant, nous connaissons que tout prix change, mais s'il change, ou dit changer pour la population, mais changer pour l'État. Faut, et si nous avons besoin de passeport disponible, il faut l'État qui a payé. Maintenant, ça terrible,
C'est que prix passeport, je veux dire, c'est $57 lié, c'est à $57 que nous vendons. 3000 gouttes représentent $57. Mais l'un de pour un visa, le monde qui dit qu'il ne va pas payer $57 trop cher là, il va demander un visa dominicain pour $200 américains et il joue le PL. Il joue $175, il joue $125 pour demander un visa américain que le pape joue. D'accord? Donc, c'est pour nous comprendre que pour l'État fonctionner, quelque part, faut l'État ait moyen d'entrer dans le mêle. Il ne faut pas oublier qu'avec le programme scolarisation universelle, avec tout lycée, plus d'une centaine d'écoles nouvelles qui créent là-haut, c'est gratuit. Il faut qu'on côté comme la rentrée, parce que même frais d'inscription, si vous ne pas payer encore. Donc, il ne va pas payer encore, il ne va pas payer le transport, il ne va pas payer ensemble de bagages. Mais côté l'État prend comme là, si tout l'autre côté ne pas aucun côté, pour nous payer, ça doit payer. Donc là, ce n'est pas vrai que l'y exagéré. C'est le seul côté, nous dit, on tarif changé, l'y augmenté. Mais là, nous remarquons l'augmentation pas même compensée, ça l'État des comptes perdu, par exemple, par rapport à 2008. À 2008, si vous prenez ça taux de change en 2008, ou prenez Jean-Prix évolué en 2008, et vous faites comparaison avec prix passeport aujourd'hui, nous n'avons pas fait calcul là avant de deviner, mais m'assurer qu'en réalité, c'est baisser le baisser, ça l'État rentré, que en termes réels, l'État pas rentré plus comme. Donc, il faut qu'il est clair pour nous. Célébration officielle ce jeudi 15 octobre 2015 de la Journée mondiale du lavage des mains à l'École nationale République du Canada sous le haut patronage du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Cette journée célébrée tous les 15 octobre dans le monde entier a pour but de sensibiliser les populations sur l'importance du lavage des mains au savon comme moyen de prévention efficace contre les maladies. À l'occasion, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé ont rappelé aux dizaines d'élèves présents à cette célébration et la population de toujours appliquer les principes d'hygiène, le lavage des mains en particulier, afin d'éviter d'attraper certaines maladies comme le choléra et la diarrhée. Tour à tour, le représentant adjoint de l'UNICEF en Haïti, Christian Solofo Dimbi, et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Jean-Luc Poncelet. Cette année, le thème national est d'accord pour l'hygiène, nous laver main, nous, acte savant. Nous levons la main pour l'hygiène, nous lavons les mains avec le savon. Ce thème s'inscrit dans le contexte international actuel et qui est marqué par un plaidoyer soutenu pour insérer un indicateur sur le lavage des mains au savon dans les objectifs de développement durable. En effet, le lavage des mains avec du savon est dangereusement faible dans de nombreux pays, en dépit de ses avantages prouvés pour la santé. Cette 8e journée mondiale du lavage des mains intervient moins d'un mois après que l'Organisation des Nations Unies a adopté les objectifs de développement durable, y compris l'hygiène pour la première fois dans le programme mondial. En effet, les objectifs de développement durable visent entre autres à parvenir à l'assainissement et l'hygiène adéquate et équitable en 2030. Selon le rapport 2015 du programme conjoint de suivi de l'UNICEF-OMS, pour Haïti, seulement 58% de la population utilise une source d'eau améliorée et 28% utilise une installation d'assainissement améliorée. Au vu de ces statistiques, il y a donc beaucoup de travail à faire. À cet égard, l'UNICEF appuie largement le gouvernement d'Haïti dans la mise en œuvre du plan d'élimination du choléra. Des actions sont entreprises sur toute l'étendue du territoire. La population toute entière est mobilisée pour participer dans ce combat contre ce fléau que représentent le choléra et les autres maladies liées à l'eau et à l'hygiène. Le lavage des mains à des moments importants, tels que avant le repas, ou après les toilettes, est un geste si simple et peu coûteux, mais qui sauve des vies. C'est un grand moment d'être ensemble pour célébrer cette journée mondiale du lavage des mains. En effet, la santé ne peut s'acquérir qu'avec l'aide de tous. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on a des maladies? Vous savez ça, les enfants, pourquoi on a des maladies? Ah oui. En fait, parce qu'une partie de ces maladies se transmettent. Les maladies, elles vont d'une personne à l'autre.
si la maladie restait toute seule là où elle était, qu'est-ce qui se passerait? La maladie serait triste et elle va mourir. Et la maladie, elle a besoin d'aller chez les autres. Si elle ne va pas chez les autres, elle ne se transmet pas. Et comment est-ce qu'une maladie se transmet? Elle passe par les mains. Elle passe par les mains. Et donc, si les mains prennent la maladie de chez quelqu'un et on donne la main à quelqu'un d'autre, on lui donne une maladie. Et ce qu'on veut faire, c'est arrêter les maladies. Et donc, pour arrêter les maladies, il faut que la main ne transporte plus la bactérie d'une personne à une autre. Alors, chez les enfants, on se touche beaucoup. Chez les adultes, on se salue autrement. Chez les grands mounes, c'est encore autre chose, mais on se touche toujours. Et c'est toujours les mains qui sont entre les deux. Et donc, aujourd'hui, c'est une campagne pour se laver les mains, pour assurer que quand on se lave les mains, qu'est-ce qu'on fait en se lavant les mains? On enlève la maladie. On dit à la maladie, je ne veux plus te voir. Fini. Et donc, quand la main est propre, on peut se toucher et on ne transmet plus les maladies. Alors, tout ce qu'on entend dans la presse, qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de diarrhée, il y a beaucoup de gens qui meurent même d'infections respiratoires, c'est vrai. Et on ne sait pas que ce sont nos mains qui le transmettent. Les représentants du ministère de la Santé publique et de la Population et du ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, les docteurs Jean-Antoine Alcéus et Ewald Joseph, ont souligné l'engagement des deux ministères à tout mettre en œuvre pour que le lavage des mains soit dans le quotidien des enfants par la formation et l'éducation, les docteurs Jean-Antoine Alcéus et Ewald Joseph. Et je dois vous dire qu'il y a un symbolisme qui est attaché à cette journée internationale. Peut-être qu'au cours de mon allocution, je vais essayer de développer le symbolisme qui est attaché à tout ça. Je dois vous dire peut-être sans vous en rendre compte que nous vivons tous parmi un monde très très petit, peut-être qui n'est pas visible à l'œil nu. Il s'agit probablement de ce qu'on appelle des bactéries, des virus, et qui sont des éléments extrêmement petits qu'on ne peut voir qu'à l'œil nu. C'est-à-dire, sans, on ne peut pas les voir comme ça, il faut ce qu'on appelle un microscope pour voir ces éléments. Et ce sont ces éléments qui nous attaquent le plus souvent au point de provoquer la maladie parmi nous. Parce que ce que nous voyons, si nous voyons par exemple une étoile, nous voyons le firmament, nous voyons les astres, donc ça, ces éléments-là ne constituent pas un danger pour nous. Mais les éléments les plus petits, qui sont par exemple les bactéries, les virus et encore les amibes, et tout ça, ce sont des éléments qui nous attaquent journellement. Contre la santé publique en général, il y a au moins quatre phases d'évolution. Par exemple, il y a avant d'arriver à la maladie, il y a la phase préventive de la maladie, c'est-à-dire on doit prévenir, éviter que la maladie n'entre pas chez l'individu. Et il y a une phase de maladie proprement dite, et c'est à ce moment-là, quand on ne fait pas la prévention, on atteint le stade de maladie. Et à ce moment-là, on est obligé de prendre en charge l'individu malade. Timoun Vaudière nous parlait de la vague des mains. Est-ce que vous connaissez qui est vous faire la vague des mains? Qui meurt? C'est surtout le saillot, effectivement, pour nous laver les mains. Donc, il y a tout le temps à laver les mains. Mais, pour laver les mains, nous, il y a des bagages qui ont besoin, parlez. Qui sont en besoin pour laver les mains? On a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau? Oui. Si on côté nous parle d'eau,
est-ce que vous êtes capable de laver même? Donc, si il n'y a pas les lavages, mais il faut que nous gagnions. Donc, gloire, c'est un bagage important pour nous gagner. Savon, c'est un bagage important pour nous gagner. Et c'est journée jeudi, il faut nous toujours rappeler nous à partir de jeudi que avant de manger avec les sur la toilette, nous toujours savon même. Mais vous êtes capable de laver mes nous tout, parce qu'il ne faut pas être branché seulement sur la vache des mères, la vache des mères très important. Vous êtes capable de laver mon bien tout, et pour prendre maladie, diarrhée, vous êtes capable de prendre choléra. Par exemple, si vous prenez de l'eau qui n'est pas traitée, vous pouvez être de l'eau qui n'est pas traitée, c'est pas vrai. Vous êtes capable de tout, non, la maladie, diarrhée, pour choléra, un petit foyer, un parasite. Si voilà quand il parle, nous quittons des fadras à terre, les grands pires fadras, pas des poubelles dans l'école par exemple, à bien là, pas vrai, les à bien là, ça tape donc, à bien mouche, mais là, avec mouche, nous avons posé sur manger nous tout, nous avons contaminé manger nous, nous avons nous, maladie. Donc, la veille est très important, mais il ne faut pas oublier notre aspect. Il ne faut pas oublier tout notre aspect qui est l'aspect santé. Par exemple, si vous avez un mal de l'eau qui passe chez vous, qui s'appelle assainissement, ça va passer, vous avez là, et bien mal de l'eau, ça va aller dans les moustiques. Les moustiques ne sont pas la vie. Ou pas prendre une maladie diarrhée, vous avez un peu. Vous avez un peu. Yes, vous avez un peu. Non, vous avez un malaria. La confière le soir. Donc ça signifie que même le journée jeudi, on a parlé de l'hygiène, mais on a parlé de santé en général. On a parlé de conditions de vie continue. Dans le cadre de cette célébration, nous vous invitons à suivre une démonstration de lavage des mains par les élèves de l'École nationale du Canada. Plusieurs des élèves qui se sont prêtés au jeu ont déclaré avoir augmenté leurs connaissances sur les méthodes à appliquer pour un meilleur lavage des mains. Ils promettent de partager ce qu'ils ont appris avec leur entourage. Moi, bien content de ce qu'ils ont fait journée ça. Li bon pour moi, li bon pour un pilote élève qui n'est pas habitué à faire ça. Et puis tout, moi remercie tout le monde qui fait yo et puis m'a conseillé pour les amis yo apprendre à laver mes yo. L'autre monde qui bon là ca moi voisine moi et puis tout moi content pile pour tout gros bagage ça fait pour nous parce que c'est pas nous tout qui te gain habitude de laver mes hein. Ça nous saute faire m'apprendre ni moi même gain des bagages là-dedans pas de connait. M'apprendre et bien content m'apprendre m'a toujours kembe do maintenant pour les m'a laver même pour me connait qui j'en pour me faire pour laver même m'a toujours utiliser m'a conseiller l'autre monde utiliser moi remet ça en pile moi même moi te connais quelques là-dedans yo mais moi pas te connais toute méthode yo et avec UNICEF yo apprendre nous et ensuite pour nous être capable faire démonstration. Est-ce que vous pensez journée ça li important pour permettre tout le monde de connaître qui gens pour laver mes mains. Oui, journée est vraiment important pour nous jeudi. Hein? L'important non seulement élèves yo viennent comprendre comment élèves yo laver mes mains, qui ça que yo ka risque à pas prendre des maladies et ensuite gagne en pile dans yo même qui pas te comprendre et laver mes qui qualité qui important ça te gagne et ensuite yo vinn comprendre tout les que yo lave mes yo yo risqué avec des maladies que yo pa pran. Yon journée pa ka suffi parce que maladie a pa vini seulement pour yon journée, la vini chaque jour. Et pa bon ici, nous gen directrice nous madame Joachien qui toujours là avec élèves yo le matin les nous a fait la prière, li toujours motivé au mot d'Dieu pour nous toujours kembe la kou l'école la propre. Pour nous toujours et kembe ko nous propre nous même tout et pour nous capable laver mais nous chaque matin et yon journée pas suffi quoi que n'a kembe mais mot d'Dieu nous capable faire ça chaque jour supposé gagner l'eau et ensuite nous gagner yon savon nous pas gagner l'eau qui pour couler pour ça n'a besoin yon beauté n'a besoin savon et l'eau et n'a besoin yon monde qui pour prendre l'eau pour nous qui pour vider l'eau pour nous. Par exemple, si nous ne pouvons pas
droit pour nous. Nous n'avons pas besoin d'un côté, nous avons juste ouvert. Nous avons pris de l'eau, nous avons mouillé les mains d'abord. Avant, il y a mouillé les mains. Ensuite, nous avons besoin d'un savon. Nous savons les mains, bien savonner. Nous retournons côté l'emporte, nous restons maintenant, bien restés avec l'infini, pour ne pas oublier que c'est de l'eau propre ou de l'eau qu'on peut nous traiter. Et ensuite, si nous n'avons pas un tissu pour nous essuyer maintenant, nous gagnons pour nous lever maintenant jusqu'à ce que maintenant nous sèchent. Comme ça, comme prévu, le troisième jeudi du mois d'octobre est consacré à la Journée internationale des coopératives d'épargne et de crédit. Ce jeudi 15 octobre, l'Association nationale des caisses populaires haïtiennes et la Fédération des caisses populaires haïtiennes se sont penchés sur le fonctionnement du secteur coopératif en Haïti autour du thème « Réflexion sur les valeurs et principes qui doivent orienter la gouvernance des caisses populaires ». Richard Bercy, président de l'ANACAF, présente les caisses populaires comme un outil social capable de sortir les pays du tiers-monde du sous-développement. Il renouvelle sa détermination d'œuvrer en vue de renforcer le mouvement coopératif. Nous vivons une concurrence nettement déloyale. Notre cadre légal et réglementaire n'est pas trop adapté. Au-delà des enjeux externes, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir aussi sur vos pratiques, sur nos pratiques. Sans vouloir empiéter sur le travail, je dirais, du conférencier qui est à ma gauche, certains d'entre nous connaissent par cœur les principes coopératifs, allant de l'adhésion volontaire et ouverte à tous à l'engagement envers la communauté. Ces principes sont-ils bien maîtrisés par nos dirigeants? Ces principes sont-ils bien maîtrisés par ceux qui sont habilités à organiser des séances d'éducation à l'intention des aspirants membres? Ne faut-il pas revisiter les modules pour une meilleure adaptation et au regard de la philosophie coopérative? Le constat est unanime aujourd'hui. On n'a plus de clients que de sociétaires. Les aspirants membres se complaisent à poser des questions sur le crédit dans toute sa composante. Ils ne considèrent pas le cash collatéral comme une contribution à l'épargne, source principale de crédit, mais une façon pour eux de prendre leur part du gâteau. Moi, je viens lever mes pommes, ou bien moi, je viens lever yon kob. Ces connotations péjoratives tendent à galvauder ce service. Comment être, moi je pose des questions,
j'ai essayé de faire une enquête auprès de certains sociétaires. Comment, de dirigeants aussi, mais comment être à l'écoute de nos membres pour le développement de nos services? Quelle perception ont-ils des caisses populaires? Comment améliorer la vie associative chez nos membres? Comment cultiver aussi chez eux le sentiment d'appartenance? La question de la ristourne doit pouvoir soulever des vagues. Le leader de l'OPL, candidat à la présidence, accuse le pouvoir en place de favoriser la mainmise de la République dominicaine sur Haïti à travers leurs produits. Sauveur Pierre-Étienne indique que la date du 25 octobre 2015 est décisive pour le futur du pays. Il invite par ailleurs la population haïtienne à miser sur son programme de refondation de la nation, capable de remettre le pays au-devant de la scène internationale. Certain de sa capacité à remporter les élections, il dit n'accorder aucune importance au sondage réalisé par le BRID. Sauveur Pierre-Étienne. Nous invitons la presse là, c'est parce que nous préoccupons nous-mêmes dans l'OPL. Par un phénomène qui a développé, son phénomène nous connaît et qui est capable de reproduire le 25 octobre. Dès la fin des années 1930, République dominicaine était prêt à contrôler Haïti. C'était sous Rafael Leonidas Trujillo. Côté, c'est Trujillo qui a décidé Vincent Pape font troisième mandat et que c'est l'ESCO qui a remplacé. Et là pour l'ESCO tombé en 1946, c'est Trujillo qui dit l'ESCO doit tomber. Là, il publie une lettre que M. était écrit côté le tapement de la faveur. Et nous, ouais, comment le régime tête calé à mettre ensemble avec l'autorité dominicaine, il a décidé, eh bien, Haïti a tourné en République bananière, il a un simple comptoir côté à vendre produits dominicains. Et si nous quittons sa fête, Haïti a tourné en province négligée de la République dominicaine. Eh bien, il a fini un accord là, mais le président Martelly vient suspect. Côté le ouais que, il y a des firmes dominicaines, des entreprises dominicaines qui ont financé l'autre candidat, il a estimé que c'est 5 autres candidats qui ont financé. Il est obligé de prendre des mesures contre la République dominicaine qui n'est pas capable d'exporter une série de produits à travers les frontières là encore. Il provoque une situation de crise côté des entreprises qui sont même fermées, qui fait que doit gagner négociation. Et c'est lui-même encore qui prend l'initiative de demander au président dominicain pour le chita avec lui. Pour négocier qui ça? Pour la République dominicaine, il a en pile l'argent pour financement de campagne candidat. Et pour l'autre entreprise, il a suspendu financer l'autre candidat. Gardez dehors, levez yeux dans l'air, gardez l'argent qu'il a dépensé. Le peuple a gagné une formule. Il dit phénomène ça a été agacé, misère, peuple. Côté moun grand goût, et puis des millions de dollars à dépenser dans la campagne électorale. Eh bien, nous-mêmes dans l'OPL, nous disons que c'est un test sérieux pour nous le 25 octobre pour nous prouver si c'est petit Toussaint Louverture, si c'est petit Jean-Jacques Dessalines, si c'est petit Roi Henri Ier, Henri Christophe, si c'est petit Alexandre Pétion, si c'est petit Capois Lamor que nous sommes. L'histoire a douté. Est-ce que c'est la République dominicaine qui a dit qui est-ce qui a président, qui est-ce qui n'est pas président? Ou bien est-ce que c'est la population, citoyenne et citoyenne, paysans, paysannes, moun nan ghetto, ti machan yo malere malereze, professeur l'école, élève l'école, étudiant, socioprofessionnel classe moyenne yo, entrepreneur qui d'accord pour nous développer pays ya, est-ce que c'est nous-mêmes qui pouvons le décider ou bien est-ce que c'est l'argent République dominicaine? L'histoire douté, OPL fait peuple haïtien en offre politique sérieuse. À travers le programme ni projet de société, le programme stratégie de refondation de l'État-nation, à travers le programme ni programme quinquennal 2016-2021, OPL dit pays a des problèmes, mais OPL a des solutions. Nous avons retiré le pays dans ce lieu-là, mais nous avons fait ça ensemble avec la population dans quatre coins du pays et dans la diaspora. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.